Éric Massa. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, effectivement, je souhaiterais également donner mon impression sur ce projet de loi qui, pour moi, est quand même un projet Canada Dry, à savoir qu'on a certainement beaucoup d'efforts de communication, mais malgré tout, c'est un texte fourre-tout où aucune mesure structurante ne permet d'améliorer efficacement le droit des consommateurs. Et puis, de grandes absences ont été soulignées par rapport à la grande distribution, les banques également, et un certain nombre de secteurs, alors que parallèlement, on s'attarde, et je citerai l'article 6, sur le problème des lentilles de contact, dont je reparlerai. Et bien sûr, une grande absence, l'action de groupe. Alors, Monsieur le Ministre, pourquoi l'action de groupe ne fait pas partie de ce texte? Elle a été promise dès 2007, elle a été soulevée lors de tous les textes que nous avons évoqués, elle a toujours été repoussée, mais non abandonnée, et aujourd'hui, à l'évidence, elle est abandonnée. Alors, concernant le détail des articles, concernant l'énergie, on amorce une bonne voie, mais malheureusement, ça ne va pas assez loin. Un certain nombre d'éléments qui sont apportés, nous les avions proposés lors de la loi NOM, et nous sommes contents de les retrouver, mais il faut aller plus loin, Monsieur le Ministre, avec des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'une évolution substantielle de la consommation réelle, c'est au fournisseur d'indiquer au client qui doit le signaler. Quand on parle d'une augmentation anormale, également, c'est un peu flou quant à savoir ce que veut dire anormal dans la définition du texte. Concernant les lentilles, alors moi, j'ai un gros souci parce qu'on parle d'ordonnance pour les lentilles quand il s'agit de l'achat sur Internet, mais on n'en parle pas quand il s'agit d'un achat direct auprès d'opticiens. Alors qu'aujourd'hui, on ne vous demande pas d'ordonnance, on ne vous demande... Moi, on ne vous demande pas d'ordonnance sur des lentilles jetables correctrices chez les opticiens. Donc il faut absolument que la législation soit la même pour tout le monde. Et puis, effectivement, la sortie du rapport Chalmin hier, qui est toute récente et qui dénonce des hausses de marge de la distribution, mais des baisses de prix pour les petits producteurs et des hausses de tarifs pour les consommateurs. Comment pouvons-nous réintégrer ces préoccupations dans ce texte sur la consommation? Et dernier article, si vous le permettez, au niveau de l'article 11, il y a une transposition par voie d'ordonnance qui est quand même relativement lourde concernant l'activité des établissements de monnaie électronique. Donc allez-vous nous présenter cette ordonnance lors de la discussion de ce texte?